mois de novembre 1947, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies pour l'Injustice, vote le partage de la Palestine en deux États. Quelques mois plus tard, au mois de mai 1948, la Grande-Bretagne, qui après avoir occupé la Palestine pendant des années, cède sa place aux fils d'Israël, commence alors le génocide palestinien. La haine de certains fait le malheur des miens. On entend parler de paix, mais c'est toujours le même refrain. Regarde les conditions de vie, nos frères palestiniens, torturés d'humiliation, sont faits leur quotidien. Le cœur plein de courage et une pierre dans la main. Pas plus haut que trois pas, mais le voilà sur le chemin de la résistance, tout fier d'aller défendre les siens. Face à lui, un soldat, un fusil dans les mains, qui n'hésitera pas, crois-moi, à battre comme un chien. Un gosse de pouce tombé sur le bal d'une armée d'assassins. Le monde est témoin, mais personne ne fait rien. On a tous en mémoire l'image de ce gamin, blessé contre son père, qui ne pouvait rien. Mohamed Aldoa, 12 ans, est-ce que tu t'en souviens? Les photos de sa mort ont fait la une de tous les quotidiens. Un crime sans procès fait l'hiver sans lendemain. Les années ont beau passer, mais elles n'effacent pas le chagrin, ni la soif de liberté qui coule dans les veines de nos frangins. L'intifada vaincra, Inch'Allah, la victoire est pour demain. Pas une incitation à la violence, mais une prise de conscience. Rebut, présomption d'innocence, mais ces jeunes grandissent en souffrance. C'est la guerre, pas de pitié, pas de justice sans paix. Une pierre en main, un enfant lutte pour sa liberté. C'est pas une incitation à la violence, mais une prise de conscience. Rebut, présomption d'innocence, mais ces jeunes grandissent en souffrance. C'est la guerre, pas de pitié, pas de justice sans paix. Une pierre en main, un enfant lutte pour sa liberté. Sur ce morceau, je veux tout le monde de poing en l'air en guise de solidarité. Cette sonorité pour nos frères n'ayant pas mérité. C'est un homme des arts, bien organisé par les USA, mes yeux, les premiers aimés. Les arts commencent à hériter, certains devoirs de quoi ces gosses vont hériter. Du maniement des armes, de la cruauté, de la guerre, du sang. Des bâtiments décroulant comme des légos mal encastrés. Je viens pas pour engrainer, mais faut qu'une fois dans notre vie on puisse serrer les coudes, même les poings liés. Face à ces gars sans couilles armées jusqu'au cou, est une croyance falsifiée, une pierre en main, en espérant être encore là demain. Trop d'années de merde pour ce peuple, et c'est que maintenant que ces médias manquent de scoops sont sur le coucou. La télé on passe pour des monstres, sauf les vieux sous terre en soucoupe. Racher des monstres occultes, passer le message, fais passer le bruit dans tout ton entourage. Et n'oublie pas, nos frères entendent toujours gronder l'orage. C'est la guerre, pas de pitié, pas de justice sans paix. Une pierre en main, un enfant lutte pour sa liberté. C'est pas une incitation à la violence, mais une prise de conscience. Rebut, présomption d'innocence, mais que ces jeunes grandissent en souffrance. C'est la guerre, pas de pitié, pas de justice sans paix. Une pierre en main, un enfant lutte pour sa liberté. C'est pas une incitation à la violence, mais une prise de conscience. Veux plus de présomption d'innocence, mais que ces jeunes grandissent en souffrance. Une pierre dans la main, mais de quoi rêvent ces gamins? D'une paix, de rien, des meilleurs lendemains. Soldats sans munitions, unissons nous plus tard, père, c'est son oppression. Il faut couler le sang, et toi dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si demain matin sont tes parents ou ouais, qu'ils assassinaient? Sans doute la même, si ce n'est pire, j'ose même pas l'imaginer. La légitime défense, c'est un droit de chaque être humain. L'ennemi a une armée, nos petits frères, des pierres dans les mains. Dur quotidien pour les nôtres, on voit pas le dixième, ce qui se passe vraiment. Honnêtement, frérot, donne-moi des nouvelles, ce qui se passe est vrai, non. La vie n'est pas facile derrière les murs de barbelés, des milliers de Palestiniens. Chaque jour se font torturer, n'entends-tu pas les cris de ces mères pleurant leurs bien-aimés, leurs enfants, un par un se font assassiner. On est loin du compte alors, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces champions du vice du compte alors? Je lâche des comptes alors, on me compte combien de frères morts alors. C'est pire que ce que je pensais, cette fille de 8 ans chargée à la dynamite. Sans espoir dans le but de faire sauter ce puceau plus vite. Et ils traduisent ça par du terrorisme à l'encontre d'innocents. Mais les persécutés restent nos frères baignant dans ce marre de sang, la marre de ça. C'est la guerre, pas de pitié, pas de justice sans paix. Une pierre en main, un enfant lutte pour sa liberté. C'est pas une incitation à la violence, mais une prise de conscience. Veux plus de présomption d'innocence, mais que ces jeunes grandissent en souffrance. C'est la guerre, pas de pitié, pas de justice sans paix. Une pierre en main, un enfant lutte pour sa liberté. C'est pas une incitation à la violence, mais une prise de conscience. Veux plus de présomption d'innocence, mais que ces jeunes grandissent en souffrance.